Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever. On se retrouve du coup avec le cygne noir qui cette fois-ci a sa bonne vue sur la chaîne Les Jeux du Cygne. Salut à toi! Et salut tout le monde, salut Damnel, et je confirme, j'ai devant moi, ça enregistre, j'ai la vue, j'ai le retour, j'ai le son, normalement, on est bien. Ça devrait faire. Bon, bah, je t'invite à me reprendre ton beau bouclier, histoire d'être lent, hein, parce que t'adores ça. Alors, normalement, c'était à gauche. Il n'y a plus les corbeaux, c'est rassurant, ou pas? Très juste. C'est parti, allons poser notre petit truc. Alors, il va falloir voir, se souvenir de lequel c'était, dans quel emplacement il va. Ouais, on va trouver. C'est que le deuxième hein, sur 3, hein, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, il nous reste encore au moins un à récupérer et après, bah, il y aura probablement encore quelques trucs avant la fin. Ah. Why have you failed in bringing me those desecrators? These rats, they cower in nooks, cracks, crannies, and corners. Fear not, my majesty. Fear? See to it that you succeed, or I will teach you the true meaning of fear. What are you going to do, old man? Stuck in your filthy keep. Stuck, stuck, stuck. Alors on est d'accord qu'en souvenir, parce que je me souviens que vaguement, hein, j'avoue, depuis 2 mois maintenant qu'on n'a pas tourné, il a corrompu, hein, c'est ça, le roi, je crois, ou un truc dans le genre, enfin, il l'a piégé en fait. Ouais, en fait, il a discrètement travaillé pour qu'on puisse sortir du donjon, même s'il a essayé de nous piéger dans ce labyrinthe à la con là. Et derrière, quand on est sorti du donjon, il a convaincu le roi de le libérer, parce que tu sais, il était prisonnier, pour pouvoir aller nous chercher justement. Alors, parce que le roi, lui, il fait partie du donjon, donc il est vraiment coincé, il peut pas bouger. Ouais, c'est ça. Mais c'est à cause de lui qu'il est coincé, je crois, non? Pas une sorte de malédiction ou je sais plus quoi. C'est le roi était devenu un peu fou à chercher l'immortalité, là, il a maudit son royaume et tout, et il a bloqué le bouffon avec lui, parce que c'était le bouffon qui lui avait conseillé de faire des trucs pas bien. Ouais, d'accord, il me semblait bien que c'était quelque chose comme ça. Merci pour ce petit résumé. Rapide. Ouais, mais ça suffit. C'est pas non plus un lore exceptionnel, hein. Disons qu'il s'est pas mal dévoilé dans cet épisode, enfin dans cet opus plutôt. C'est ça. Alors, toi qui peux courir là, dis-moi quelle bannière il faut mettre. Bah attends, parce qu'il n'y a pas possibilité de monter en hauteur, parce que là je vois pas trop bien. Ah bah il y avait normalement, mais les escaliers ont disparu. Bah ou c'est peut-être moi hein, qui ai disparu, mais... Non mais... Plus mais j'arrive pas à bien voir de là. Non mais il y avait les escaliers avant pour remonter et ils ont disparu quand on a sauvegardé sans doute. Cela dit visuellement... Ouais c'est ça, il y a le retour de l'énigme et tout là, bon on va pas la refaire. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt le premier. Ça a l'air. La base de l'Astrolabe, et ben c'est reparti. Cette fois, c'est un écran blanc au chargement. Effectivement, tout va bien pour moi. Ok, c'est bon, j'ai cru que j'avais planté du coup, vu que c'était un écran noir tout à l'heure.
Bah nous de toute façon hein, on s'en fout hein, le bouffon s'il veut pas nous attraper tant mieux, on fait ce qu'il faut pour se tirer. Ah oh bah oui ça c'est clair hein. Que dans l'histoire, les quelques rebelles avaient réussi à s'enfuir, ils avaient juste laissé une personne derrière eux pour fermer l'astrolabe là. Donc du coup bah on sait pas, peut-être qu'on tombera sur cette personne un jour. Peut-être, peut-être pas. Alors du coup on a fait Rockbury, le Nautilus, ce qui nous manque c'est le Vault. C'est ça, donc par là, j'en conclus. Ah et ça ce sera la sortie probablement. Il y a des chances. Oh sympathique cette petite entrée. Ça donne bien envie. Ah. C'est pas le bon sens visiblement. Nickel, on s'enferme, c'est parfait. Ouais, c'est le bon plan ça. Ok. L'ambiance sonore est toujours aussi top. Ouais, carrément, ça a son petit côté mystérieux, ambiance. Ah, pas que sonore d'ailleurs, j'avoue que... Même si des fois ça lag un petit peu les lumières, c'est quand même plutôt bien fait. Ouais, c'est clair, c'est dommage, il manque un peu d'optimisation, mais bon. Genre moi la lune là c'est un peu dur. Je confirme. Il y a les corbeaux du bouffon. Cette tombe m'a l'air sympathique. Ah, effectivement. Salut ! T'as été balancé dans le puits, c'est ça ? Ouais, j'ai vu une âme sortir, j'ai pris peur, je suis parti en arrière, et voilà, je suis au fond du puits, et le puits s'est refermé au-dessus de moi, bien sûr. Ah, il s'est effondré, ouais, je confirme. Et il y a une âme qui est sortie en disant « you fail » ou un truc du style. Je pense que c'est le mot. C'est ça. Alors en bas, bien évidemment, il y a un cadavre d'un ancien pote à nous, ou un ancien nous d'un autre monde, ou je ne sais quoi. Une pioche que j'ai ramassée et un message qui dit « Il est caché dans la chambre forte, j'en suis sûr, mais je n'ai pas pu trouver les clés. » Bah écoute, moi en haut, du coup, je peux interagir avec la cloche, tu sais, qui était sur le parvis, là où on a tourné à droite pour entrer dans le cimetière. Il y a le bouffon qui a rigolé, mais je l'ai pas vu. Et sinon, je peux essayer d'avancer. Je vais essayer d'interagir avec la cloche avant. Ça marche, mais moi en fait, il y avait un mur après, et avec la pioche que j'ai ramassée, je pouvais... Ah putain, il y a des araignées, elles sont dégueulasses. Je pouvais casser le mur et progresser, ce que j'ai fait. Mais bon, les araignées me plaisent pas. N'hésitez pas à aller voir la vue de Dame Ned si vous aimez les araignées. Ah, elle est pas très grosse, elle fait sa vie, mais bon, enfin moi j'en ai une comme ça perso dans mon appart. Je crois que je fais un malaise. Hein. Ah bah. Moi j'ai avancé, je suis passé sous une arche avec une statue de hibou et la grille s'est fermée derrière moi. Et il y a plein de putains de corbeaux qui tournent en rond, ça sent l'apparition bouffonnesque d'un moment à l'autre. Ah, il y a des murs, alors là je suis dans un espèce d'endroit circulaire en extérieur, il y a des murs un peu fissurés que je peux pas pousser à la main, il y en a plusieurs mais qu'à mon avis
trouver un moyen que tu me files la pioche ou un truc du style si on se retrouve. Ouais. Attends, parce qu'il y a des plus grosses araignées là. Bah, dégueulasse. Et là, je vais sortir de mon endroit et je... Oh, mais il y a des araignées partout! Ah, j'ai trouvé un autre puits qui est pas cassé celui-là. Et je suis devant une énigme là. Ah, j'ai trouvé un puits et je peux faire monter un seau de neige qui est dedans, donc il y aura peut-être moyen de te sortir. Et du coup, j'ai plein de murs à casser, et au-dessus des murs, il y a le symbole, tu sais, des différentes professions là qu'on avait dû mettre en ordre pour dans la chapelle, là, tu sais, les maçons, les ingénieurs et tout. Ah, ouais, d'accord, je vois. Moi, c'est un peu compliqué. J'ai une énigme, mais pour moi, je vois pas trop comment la résoudre. Mais je t'en dis pas trop plus pour le moment, parce que j'imagine que tant que t'es pas arrivé devant... Bah moi c'est en rond, j'essaie de faire tout le tour et c'est assez labyrinthique, je sais pas si je peux aller quelque part. Je vais essayer d'aller au centre, là il y a tous les corbeaux quand même. Ah, au centre, il y a des choses. J'ai une pierre avec des symboles que je peux... ramasser et peut-être t'envoyer du coup. Ah, ceci expliquerait le truc. Il y a un truc qu'on pourrait, ouais. C'est des symboles ronds, d'espèces de médailles, enfin de sceaux. C'est ça, exactement. Et j'ai aussi une demi-pierre cassée avec des flèches entre les différents symboles qui dit visiblement couronne, chaîne, livre et fiole. Moi j'ai l'autre moitié de la pierre. En fait, moi ça commence tout en bas à gauche par un bouclier. Bon, c'est toujours des flèches à double sens. Hein. Donc flèche épée, flèche horloge, flèche couronne. Et j'ai que la flèche de gauche de la couronne. Et toi t'as la suite, je pense. C'est ça, j'ai la flèche de droite qui va vers la couronne. Après chaîne, après livre, après fiole. Et alors sur mon truc où j'ai des médailles, je peux enlever celle du bas et les remettre. Et par contre, celles du haut peuvent pas bouger, donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse les liens du coup. C'est ça, moi je peux enlever celle du bas. Alors, celle du bas que j'ai enlevée, il y a chaîne, horloge, couronne et potion. Et en fixe de gauche à droite, j'ai épée, bouclier, couronne, épée. Moi j'ai deux couronnes, une chaîne et un livre. Donc, du coup, j'imagine que. Il va falloir qu'on trouve la combinaison pour tout remplir pour qu'elle soit côte à côte à un truc qui leur correspond quoi. Bah j'imagine. Alors du coup, il me faudrait pour coller aux couronnes une chaîne et un... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que t'as de ton côté qui colle à la couronne? Bah moi de... tu parles par rapport à la pierre cassée ou... Oui, avec la pierre cassée, ouais, bien sûr. À gauche de la couronne, c'est une horloge. Est-ce que t'as une horloge et une chaîne à m'envoyer? Alors, je peux mettre ça dans un petit truc, ouais, je peux t'envoyer une horloge. Vas-y, je l'ai mis dedans. Ah, ça fait rien, faut peut-être que je t'en envoie un moi aussi pour échanger. T'as dit que t'avais quoi toi sur ton truc en haut? J'ai... de quoi au niveau des pièces qui sont fixes? Oui oui, au niveau des pièces qui sont fixes, ouais. J'ai épée, bouclier, couronne, épée. Et qu'est-ce qu'il faut aller qu'est-ce qu'il faut pour aller à côté de l'épée par exemple? À gauche de l'épée c'est un bouclier, c'est le premier symbole, et à droite c'est l'horloge. Ok, donc je peux t'envoyer genre un bouclier. Alors ouais, mais j'ai récupéré mon horloge moi. Et moi j'ai récupéré mon bouclier, donc c'est peut-être pas ça du coup. Il faut peut-être qu'on envoie des trucs qui sont touche-touche par rapport à ce qui est touche-touche. J'avoue que j'ai pas, mais si t'as l'idée, je t'écoute. Hein. T'as une potion, t'as dit? Ouais. Et moi j'ai un livre et sur la pierre, potion et livre, ils sont touche-touche. Alors on va essayer de se les envoyer pour voir. T'en m'envoies la potion, je t'envoie le livre.
c'est fait. J'ai le livre. Et j'ai la potion. Et j'ai mis, alors j'ai mis la potion en dessous mon livre fixe et du coup elle a fonctionné, elle s'est bien mise. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement trouver la pièce qui va à côté et il faut qu'en plus on arrive à se faire des combinaisons pour s'envoyer les bons quoi. Ouais, parce que genre le livre il me sert à rien, mais bon toi il t'a servi à faire l'échange quoi. Et moi le livre il me servirait, mais j'ai rien pour te l'envoyer, sauf si t'as une chaîne à m'envoyer en échange d'une couronne. Je peux t'envoyer une couronne et tu m'envoies une chaîne. Alors, précision en fait, il existe deux couronnes. Une couronne à 3 pointes, moi je l'ai en fixe, et moi ce que j'ai en pièce que je peux t'envoyer c'est une couronne à 5 pointes. Ah oui, exact, c'est vrai que moi j'ai une pièce que je peux t'envoyer, la couronne elle a que 3 pointes alors que sur les miennes elle a 5 pointes. Voilà, pour précision. Bien vu. Et sur la pierre, ta couronne, elle a combien de pointes? Elle en a 3. Ah oui, donc en fait, il y a effectivement deux couronnes. La couronne à 3 branches va avec la couronne à 5 branches, ok. Donc il faudra que tu me la renvoies un moment probablement. Parce que du coup là moi ce que j'ai un bouclier et une épée qu'il faut probablement que je t'envoie. Et il faudra que tu m'envoies un livre peut-être. T'as un livre toi? J'ai un livre, celui que tu m'as envoyé, une chaîne et une horloge. Et la couronne à 3 points qui me sert à rien non plus. Alors je vais te renvoyer la couronne à 5 pointes et tu vas m'envoyer la chaîne plutôt. Ok. Et après, du côté de la couronne à 3 pointes, tu dois avoir une épée ou un bouclier. J'ai couronne à 3 pointes, à côté j'ai l'horloge, après j'ai l'épée, après j'ai le bouclier. Ah mince, on est bloqué du coup. Du coup, on va faire l'inverse. Je vais te renvoyer le... Alors attends, comment on peut faire? Mais ce qui est bizarre, c'est que moi quand je suis arrivé, les 4 trucs étaient déjà insérés. Les 4 symboles étaient insérés donc. Et là, si je reprends les symboles que j'avais au début, je peux les remettre dans les emplacements. Mais faut croire qu'ils correspondent pas. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Non, ils correspondent pas. Ce qu'il faut, c'est que dans l'emplacement, tu mettes un des symboles qui est du côté l'un ou l'autre de du truc fixe. Genre moi, la potion que tu m'as envoyée, je l'ai mise à côté du livre, puisque sur mon truc, le livre il est collé à la potion, et du coup, elle s'est mise en place et elle est bien mise du coup. Ouais, d'accord. Je pense que je vois l'idée. Et donc là, ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen que tu me renvoies la couronne à 3 branches et que moi... Et que tu m'envoies le livre aussi. Et du coup, maintenant que j'ai la chaîne, je vais pouvoir te renvoyer la chaîne et tu vas me renvoyer le livre. Ah pardon, c'est pas la bonne que je t'ai envoyée là. Après la chaîne j'en ai pas besoin moi, mais moi il me manque une épée et un bouclier en fait. Épée et bouclier que j'ai, mais du coup vu que j'ai pas l'horloge on est coincé en fait, donc il faut qu'on réinitialise je pense le truc. Ouais, et comment? Parce qu'on s'est merdé avec les couronnes. Alors, j'ai le livre et tu peux m'envoyer la chaîne. Une fois que j'aurai la chaîne, tu pourras m'envoyer la couronne à 5 branches. Une fois que j'aurai la couronne à 5 branches, tu pourras m'envoyer la couronne à 3 branches. Mais j'en ai pas besoin de la couronne à 3 branches, moi. Ouais, mais ça peut être un track. Après, je t'enverrai la couronne à 3 branches, tu m'enverras l'horloge et on pourra se débloquer. Certes. Donc tu m'envoies la chaîne. Donc je t'envoie la chaîne, là. Yep, tu m'envoies la chaîne. Ensuite, tu m'envoies la couronne à 5 branches.
Ensuite, tu m'envoies celle à 3 branches. Et enfin, tu m'as envoyé la couronne. Pas la. Pardon. Ouais, si t'as la. L'horloge, l'horloge. Faut que tu m'envoies l'horloge. Moi. Attends, vas-y, dis-moi. Si tu m'envoies la couronne à 3 branches, je peux t'envoyer l'horloge du coup. Oui, oui, c'était ça, c'était l'horloge que je voulais dire, excuse-moi. Alors. Non, du coup non, attends, je vais te renvoyer l'horloge, tu vas me renvoyer la couronne à 3 branches. Je vais garder la couronne à 3 branches. Et en échange de l'horloge... Tu vas m'envoyer l'épée, du coup je vais t'envoyer l'horloge. Et je te renvoie l'épée, tu m'envoies le bouclier. C'est ça. Je te renvoie l'épée donc. Et donc là normalement. Alors c'est bon, mais du coup il faut repartir de plus loin maintenant parce que l'épée c'est toi qui l'as, l'horloge c'est toi qui l'as aussi. Qu'est-ce que j'ai moi? 5 branches. Bah si tu me donnes la couronne à 3 branches, je peux te donner la salle à 5 branches, etc. Ouais, il va falloir qu'on fasse les extrémités, donc il va falloir qu'on fasse jusqu'à ce que tu m'envoies le livre et après jusqu'à ce que je t'envoie le bouclier, et puis on va se rapprocher petit à petit des couronnes. C'est la couronne qui nous permet de sauter, donc du coup c'est celle qu'il faut qu'on mette en dernier. C'est ça, donc du coup... j'ai la couronne à 3 branches, tu vas m'envoyer celle à 5 branches, et après je t'enverrai la 5 branches, tu m'enverras la chaîne. Et après je t'enverrai la chaîne et tu m'enverras le livre. Vendu. Donc tu m'envoies la chaîne. Et maintenant tu m'envoies le livre. Donc j'en ai deux en place et il me reste l'horloge et... l'épée, donc du coup je vais pouvoir t'envoyer l'horloge, tu vas m'envoyer la... Attends, la couronne à 3 branches, t'auras l'horloge et je pourrai t'envoyer l'épée. C'est bon, mais... Donc tu peux mettre l'épée en place. C'est fait. Et donc enfin, je vais t'envoyer la couronne à 3 branches, tu vas m'envoyer la 5 branches, je te renverrai la 5 branches, tu me renverras les chaînes. C'est ça. Donc là, j'ai les chaînes en place, normalement ça marche, parfait. Il me reste l'horloge que tu vas pouvoir échanger contre la couronne à 3 branches, normalement. C'est ça, et on devrait être bon. Travail d'équipe. Attends, non, parce que celle à 5 branches... Attends. Si, pardon, j'ai pas mis les bonnes. Voilà. Il m'a fait peur en moment. C'est propre. Je continue de progresser, du coup. Alors moi, ça m'a ouvert un escalier vers le bas. Est-ce que tu vas arriver par là? Je ne sais pas. Je sais pas, mais j'en ai marre des araignées. Je vais descendre, ok, j'ai la torche qui s'allume toute seule, j'avais oublié celle-là. J'entends un bruit qui se passe dans une pièce à côté de là où je suis. Mais moi je suis en train de descendre des escaliers toujours, donc je suis pas arrivé dans une pièce encore. Si, là. Ah. Je vois ta torche. Il y a un mécanisme qui tourne en continu, mais il me manque une pièce en fait, un engrenage. Par ici, il manque un engrenage. C'est gadget, mais tu peux éclairer ta torche à gauche là. Elles sont sympas les araignées, j'avoue.
Est-ce que tu peux me passer ta pioche? Tu peux. Est-ce que je peux te la donner? Apparemment non. Non, j'ai pas de bouton ramassé. J'en aurais besoin plus tard, mais. Alors, cela dit, attends, j'ai pu casser un mur. Wow, putain, ok, une nouvelle énigme. Avec 4 clés. Waouh, sur un coffre-fort. Wow, putain, ok. Alors. J'ai pu mettre la torche dans un seau, mais je vois pas comment le seau peut te parvenir. J'avais un puits en haut où je pouvais faire sortir un truc, donc je suis en train de remonter là. Je vais essayer de tirer sur mon puits, ça doit être ça. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il est ce con? Là. J'ai. Il y a tout un truc où je dois ouvrir des cercueils. Certains ont des messages dedans, d'autres non, mais ils s'ouvrent vraiment d'un coup en mode presque jumpscare, tu vois. Tu sais pas s'il y a un truc qui va surgir ou non. Alors, moi du coup, je peux accéder au cimetière. J'ai plein de tombes. Avec, avec un dessin ou pas. Ensuite, j'ai un nom. Et ensuite, j'ai une date de décès suivie d'une date de mort. Sauf que j'ai plusieurs fois les mêmes noms, genre j'ai plusieurs Aléi, de plusieurs Alar, etc. Alors moi j'ai plein de cercueils que je peux ouvrir et différentes pièces. Alors voilà, avec des trucs et notamment trois arbres, qu'on appelle ça, trois arbres généalogiques de familles différentes. Et alors, à tout hasard, est-ce que quelque part t'aurais des cygnes, des paons et des rapaces? Alors, oui, j'ai un endroit avec des. C'est marqué faucon, robin, paon, cygne. Oh, cygne, coucou, cygne. De nombreux défunts espéraient être guidés dans l'au-delà par les oiseaux qu'ils aimaient de leur vivant. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que je pouvais interagir avec les tombes moi aussi, donc j'ai mis un gros coup de pioche dans une tombe, mais visiblement c'était pas la bonne parce que j'ai ma vue qui devient petit à petit noire. Y a un message contre un mur quand tu rentres, quand je rentre à l'entrée sur la droite, c'est le seul tableau où il y a un message. Le message dit. 5 clés enterrées avec les habitants de notre ville, laissées pour ceux qui défient la méchante couronne. Ouais, bah je pense qu'il va falloir trouver 5 tombes, une par probablement une ou deux par Ah putain la vache, le machin il me parle en permanence dans mes oreilles sur les côtés là. Tu sais, en fait mon écran il est tout noir sur les côtés. Et il y a comme une voix qui me parle derrière, une voix fantomatique qui me fait You file, you file. C'est assez horrible. Énorme. Et en fait, moi, donc j'ai ouvert tous les cercueils, et dans certains cercueils, il y a des indices. Genre, le dernier descendant de la lignée Glace Blasser. Ou, attends, j'en avais un autre par là. La Stenhauer. La Stenhauer, alors c'est des familles je pense, qui dort à côté de son frère. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Un fabricant de pendules, elle a admiré le pan. Sur un autre. Et j'ai un autre tableau qui ressemble à celui de tout à l'heure avec les animaux. Où il y a 4 symboles de gauche à droite. Alors c'était 4 animaux et là c'est marqué verrerie, horlogerie, boiserie, métallurgie. Ça c'est les symboles des métiers de tout à l'heure. Ouais, et moi du coup, en fait, j'ai un cimetière par métier. Et dedans, j'ai plein de tombes avec les dates de mort, les noms et des fois des oiseaux. Donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve les 5 bonnes tombes, d'une manière ou d'une autre. Ouais, alors après, moi du coup, j'ai des arbres de. T'as les noms de famille aussi ou pas? Bah non, j'ai pas les noms de famille et justement j'espère qu'il va pas falloir se souvenir de mémoire de l'histoire du royaume, qui c'était l'astronome, qui c'était l'horloger et tout, parce que là j'avoue que ça va être chaud hein. Bah là par exemple je pénètre, quand je pénètre là dedans, donc c'est la fonderie, c'est marqué Bronze Gator, je sais pas le nom.
c'est les fondeurs apparemment. Et là après t'as un arbre généalogique. Adouish et Isebrand ont tué des enfants. Ils ont eu un garçon qui s'appelle Madoc, qui s'est marié avec une fille qui s'appelle Nank. Ils ont eu Isebrand et Evarae. De l'autre côté il y a eu Robin qui s'est marié avec Ermgaert, qui est leur fille, qui ont eu un enfant Robin et Isebrand. Et ils ont eu un troisième enfant, un homme, Falco, qui s'est marié avec Beth, et ils ont eu Didien, Tite Boldus et Boudjouin. Il y a ça sur trois trucs de famille. Enfin, trois, dont un que je peux pas consulter pleinement parce qu'il a été arraché à la moitié. Alors, typiquement, j'ai été, pendant que tu parlais justement, dans le cimetière des bronzes trucs, là, et j'ai plusieurs tombes Isbrandt et une tombe Falco. Alors, ouais... Isbrand, c'est les enfants. C'est les enfants de. Alors, Isbrand, non, c'est la mère déjà, avant tout. Alors, sachant que il y a des dates différentes pour toutes les tombes, donc il faut qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce cimetière-là que j'ai pété le truc. J'espère que si on trouve la bonne, il va me lâcher le fantôme parce que c'est assez désagréable. Enfin, désagréable. Ça met de l'ambiance, hein, je dis pas, hein, c'est bien fait, mais. C'est pas hyper... c'est un peu malaisant. Mais cela dit, je propose qu'on fasse ça lors du prochain épisode, si ça te va. Ah oui, il vaut mieux, parce que là, il y a de quoi faire, je pense. Il y a d'autres par là encore, putain. Eh ben... Je vous remercie tous et toutes et tous, pardon, de nous avoir suivis pour cette... globalement dernière partie du jeu, mais c'est pas tout à fait fini, donc restez encore avec nous, on en a encore quelques épisodes je pense à vous proposer, et on vous dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde et merci le Cygne bien évidemment. Merci tout le monde et ciao ciao.